Ah, ça explose. Attendez, attendez, top. Il va y avoir une quarantaine de personnes qui ne vont pas recevoir de statut et ça fait plusieurs mois qu'ils attendent déjà. Et on peut pas leur dire quand est-ce qu'ils vont être contentés. C'est une catastrophe. Il y a 4 mois, nous avons sorti le buste de Jeanne d'Arc et elle comporte une auréole en bronze. Du coup, on a commencé à travailler avec une fonderie. Mais le rythme de production n'était pas du tout au rendez-vous, donc on a commencé à prendre beaucoup de retard. Donc j'ai eu un appel avec la fonderie. Oui. Ils devaient nous envoyer une quinzaine d'auréoles il y a une semaine. Ok. Mais en fait, elles ont foiré. Ah merde. Les auréoles sont assez complexes à produire et la plupart de celles qu'on recevait, de la part du fondeur, n'étaient pas parfaitement circulaires. Donc on en renvoyait et le fondeur devenait fou. Et ils ont dit qu'en fait, là, ils n'y arrivent plus. Donc ils vont arrêter. Ça coûte trop cher. Oh putain. Ok, merde. Waouh. Ouais. Il y a combien d'auréoles à faire en urgence? 60. Les pires retards, c'est horrible. Les pires retards, ça en fait trop moins. Ouais, c'est horrible. En fait, je leur dis quoi ou non? Je crois qu'il faut pas répondre. On recevait des messages tous les jours et on savait pas quoi répondre pour les délais d'attente. Je sais pas quand elles seront prêtes. Donc là, on devait ouvrir notre fonderie le plus vite possible. Je me demande si on devrait pas lancer la fonderie express. Lancer la fonderie express. Genre là maintenant. Il faut qu'on fabrique des fours qui montent à 1200 degrés. Dans quelques semaines, tu penses que tu pourrais faire une 60aine d'auréoles? Pourquoi? Non! Pourquoi? Je vais au bout du rouleau là. Non mais là ça fume les gars. Putain, qu'est-ce qu'on va devenir? Non! Putain, fais chier! Non! Pour ouvrir notre fonderie, il fallait qu'on fabrique un four pour cuire ces moules d'auréoles à 700 degrés. Pour faire simple, on fait une auréole en cire. On prend cette auréole en cire et on la submerge de plâtre. Donc on a un bloc de plâtre avec une auréole en cire à l'intérieur. Là on voit l'entrée et la sortie. Super. Et on chauffe le plâtre, de sorte à ce que la cire fonde et coule par les petits trous. Donc là on se retrouve avec un bloc en plâtre et une forme d'auréole en creux à l'intérieur. Et là, le moule, une fois cuit, à 700 degrés, est prêt à ce qu'on verse du bronze en fusion à l'intérieur. En fait, concrètement, dans les détails, qu'est-ce qui empêche là de faire de belles auréoles? Bah, en fait, là, le problème, c'est qu'on n'a pas le four qu'il faut. Et le four qu'il faut, soit on va demander à un céramiste de nous prêter son four, soit on fabrique le four nous-mêmes. Et ça, du coup, ça va être incertain. Bah contacte la céramiste. Il faut aller là-bas en fait, sinon elle va pas accepter. Je rigole parce que on était allé chez la céramiste pour la traquer. On passait, on faisait n'importe quoi, on est rentré dans sa boutique, on a discuté avec elle. Et un four ça se prête comme ça? On y va avec notre moule et on demande à mettre notre moule dans son four. Bonsoir madame, vous sonnez d'où? On peut rentrer? Vous allez bien? Ça va et vous? Ça va bien. Donc on voulait savoir si vous pouvez utiliser votre four pour mettre notre moule. C'est pas vrai. J'ai jamais mis dans cette four-là le plâtre. Ça, c'est le four à argile. Je vais pas prendre un risque de casser mon four. Si vous voulez, je vous montre la fiche technique du plâtre. Laissez-moi votre téléphone. Déjà, fiche technique du plâtre. J'ai écrit mon numéro. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. J'ai mis un cœur à côté de mon nom. Est-ce que ça va augmenter ou diminuer nos choses? Donc là, il fallait qu'on fabrique le four le plus vite possible. Donc je vais faire une fonderie pour fondre du bronze. Du coup je vais fabriquer un four donc avec une résistance. Je comprends pas trop ces choses là. Donc là il y a un fusible à cet endroit là. Et je comprends pas à quoi il sert et à quel point c'est impératif. Je sais même pas trop à quoi ça sert donc je sais pas. C'est comme un relais en fait, c'est comme un relais. C'est à dire c'est quoi un relais exactement? Là, bah, c'est une commutation pour commuter de l'ampérage. Qu'est-ce que ça veut dire commuter?
Ouais, c'est un commutateur. Alors là, je peux pas tout vous faire un truc parce que j'aurai pas le temps non plus parce que j'ai plein de boulot. Très bien, ça marche. Bah, il voulait pas ma poule électronique. Est-ce qu'on est dans la merde? Ouais. Ah, ça explose. D'accord. Bah, les conclusions, le plâtre peut exploser pour 50 000 raisons. Bah, il m'a dit de pas lire ce qu'il y avait écrit sur la notice. Après toutes les recherches qu'on a faites, on devait se lancer dans la fabrication du four. Donc on a fait tous les magasins de bricolage de la ville, et notre objectif était de fabriquer le four en un seul. Fermé, les enfoirés. C'est le rêve se coupe si vite. Sur internet, ils disent que c'est ouvert le samedi jusqu'à midi. Mais pourquoi? Mais attendez, il y a écrit que c'est fermé à midi 30. Mais pourquoi? On peut pas faire confiance, on peut pas faire confiance à personne. Dites que c'est urgent. Dites que votre femme a le cancer et que si vous ne faites pas une poterie, elle va mourir. 06 63. Putain, je suis dégoûté. Est-ce qu'on essaierait pas d'ouvrir de force? C'est vrai ça? Eh, ce four a l'air bien aussi. Si on arrive à avoir de force, à rentrer de force, on peut prendre le four directement. Non, putain, j'ai pas envie qu'on finisse par aller à Leroy Merlin et qu'on prenne des briques et le tracteur paille de lente. Je sais pas comment il s'appelle, mais il y a un immense magasin ici. On a oublié d'acheter la scie. Ouais, mais on a eu, c'est juste qu'elle coupe de travers et le mode pense que c'est moi qui coupe de travers. Ouais. On va voir qui coupe de travers. Donc là, monsieur Thomas, vous allez prouver à Massoud que c'est lui qui est incompétent et que la scie n'est pas tordue. La ligne n'est pas droite. Wow, attention, au trépied. La table s'est écroulée. Le pas de la courbure ici. Mais franchement, voyager. Vraiment voyager. Franchement, c'est méga droit, Massoud. Merci, Golden. C'est plus droit que Monsieur Thomas. Ouais, attendez. C'est vrai. Comment? Là, c'est plus. Il n'y a pas le côté femme enceinte comme votre découpe à vous. C'est vraiment droit. Non, Thomas, c'est moi qui suis impressionné. Mais c'est impressionnant. C'est pas mal. Le vôtre, c'est gondolé à un endroit. Le vôtre est un peu gondolé. Moi, j'aime bien le style gondolé. Ok, ça, c'est le truc. Et ça, c'est le truc. Il a dit que sa coupe était flinguée, il a dit que sa coupe qu'est-ce que oh le ciel. Aïe. C'est vraiment. En fait, je pensais pas que ça pouvait être plus humiliant et puis c'est arrivé. Si on prend en compte le temps qu'il a fallu couper les deux, ce serait criant que j'étais le premier. Moi, quand je coupe, je coupe. Monsieur Valgenwitz, faudra être plus rapide que Monsieur Thomas, vous avez bien entendu. Plus rapide et plus droit que. Eh, pas mal. Ouais, écoutez, vous avez été le plus rapide, monsieur Valgenwitz. Mais non. Si. Il y a eu une interview dans le monde. Ah non, c'était. Qu'est-ce qui se passe là? C'est vrai. C'est quoi, c'est une crise d'épilepsie? C'est vrai. C'est pas le genre de jeu où on se prend du Red Bull. Ah, mais pourquoi pas des bières sur le Red Bull? Bière? C'est pas du tout le même été. C'est vraiment pas mal. Putain, il va être beau le four en fait. Il va être pas mal. Bon, messieurs, est-ce que vous êtes sérieux là? On est bientôt sérieux. On est vraiment pas loin. Il faut qu'on se débrouille pour que les hexagones soient vraiment bien. Il faut qu'on mette du mortier, qu'on prépare du mortier. Waouh! Il faut que le mortier sèche. Le mortier séchera pas. Ouais, non, combien de temps ça sèche? En 2 semaines. Arrêtez! Ok, donc on y va, on trace. On y va à la petite matinée. La vie, ta petite matinée, vous savez. Voilà, on a des tranches de 15 degrés. Putain, c'est vrai! On a 15 degrés, 45 plus 15, mathématiques, 60. Mais est-ce que ça marche ça, par rapport à l'homme ou ça marche pas? Ouais, par rapport à l'homme, ce sera pas la même. En gros, parce que là c'est plus proche. Est-ce que vous avez pensé à faire une droite? Pourquoi ça marche pas? Regardez, il y a des droites de partout là. Regardez, il y a beaucoup de trucs chez vous. Et à partir de là. C'est vrai en fait, il a raison. Il a raison ou pas? Moi je suis un visuel en fait, c'est pour ça que j'écoutais pas en cours. Mais si. Attends, je déplace des chiffres dans l'espace. Et là, oubliez les degrés, oubliez tout ce qu'on vous a dit dans votre vie et pensez centimètres. Non. Tracer une droite, je... perpendiculaire, vous comprenez? Tout est bon là, tout est bon. Non, j'ai compris pourquoi je m'étais trompé, je vais écouter. Ok, on passe à la pratique maintenant, parce que la théorie ça sert à rien en fait.
On en est où? On en est où? On en est à faire... Qu'est-ce que vous faites? Moi, je... Voilà quoi. Ah, mais Thomas, s'il vous plaît, gardez un peu de vous-même. Un, deux, un, deux, un, deux, un, deux. Mais vous êtes taré, monsieur Thomas. Oh là là, arrêtez. C'est bon, c'est bon. On en est toujours là. On est toujours là. En fait, avec le bande de bras cassés, ça avance pas très vite. Qui est le bras cassé ici? On est pas. Si les trucs sont pas gentils, premièrement, ce serait pas utile, deuxièmement, ce serait même pas hermétif. Monsieur Thomas dit que ce serait pas hermétif. Hermétif? C'est ma grave. Il y a vraiment de la merde. Mais Thomas, c'est foireux le mortier. Ah ouais? Bah, tout, ouais. On a vu? Ça m'énerve. Je suis pas satisfait. C'est un peu bizarre pour le mettre comme matière. J'ai l'impression que ça va pas coller. C'est nul, petite chose. Ça va fumer. On met une poignée comme ça. Ça brûle pas. Thomas est complètement bourré. Non, non, je pense que c'est vrai. En vrai, bon, c'est un peu fumé, ça va. C'est toxique ce truc? Mais Thomas va se moquer de nous si on met des gants. Ouais, c'est vrai. On n'a pas le choix. Putain, c'est foireux. Mais une hache, c'est tellement pas fait pour ça. Si, justement. La hache a d'abord été pensée pour mettre le mortier et après ils se sont dit c'est vrai qu'on peut couper du bois. Un trésor ne bouge plus noir nuage. C'est moche quand même ce qu'on fait. Mais moi j'aime bien, hein. C'est vraiment bien. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Résistance. On devait fabriquer une résistance pour le four. Une résistance, c'est ça. C'est un fil de fer comme ça, enroulé en ressort. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il y a aucun espoir, c'est ça bien. C'est vrai. Qu'est-ce que c'est que ça fait? En fait, c'est un cauchemar. C'est foireux. Ouais. Ça marche. Ouais. Wow, elle est tellement réduite. Ok. Waouh, wow, ce qui se passe. On aurait dû faire ça depuis le début. Non, doucement, les amis. C'est magnifique, monsieur Thomas. Attendez, top. On a fait le truc bancal sur bancal et ça a quand même marché. C'est incroyable. Le rendu est vraiment bon. Et quand le courant passe et le traverse, ça dégage beaucoup de chaleur. Donc là, on met ça par terre, on fait passer du courant là-dedans, c'est ça? Ok. Moi, je parie sur le tout. Moi, je parie que les choses vont bien se passer. Tout va bien se passer. Monsieur Thomas prédit que tout peut arriver. Moi, je dis que ça va très bien se passer. Mais si ce truc se met à fondre, faudra pas paniquer parce que selon ma théorie, c'est normal. Le seul problème, c'est que là, les fils sont séparés par du plastique. Le plastique va fondre, les fils vont se toucher. Et puis, on va sauter. Oh, c'est tellement douteux. C'est tellement contre-intuitif que ça ne passe pas comme ça. Waouh! Ça pue le brûler! Waouh! On voit. Aïe. Non, on voit. Non, quel bout? Quoi? Pour qu'on voie. Non. Non, pour qu'on voie comme ça, c'est dramatique. Ah! C'est une torture. Oh mon dieu. J'ai hyper mal, c'est horrible. À partir de maintenant, c'est plus un bout. Allez, bonne soirée. C'est magique! Putain, j'en ai marre! J'en ai vraiment marre! J'en ai vraiment cul de bosser là! Ah, bordel, c'est infernal! Ah, ça m'énerve! Je sais pas comment ça va vous, mais monsieur Thomas il est au bord du gouffre! Moi on est dans le gouffre! La beauté de la chose c'est que ça se passe si mal que quand ça se passe bien, c'est incroyable! On est sur la dernière ligne droite là. Moi j'y crois plus. Mais elle est très très longue. Mais attendez, mais on a fait le test sur le sol. Ça a chauffé, qu'est-ce que vous voulez faire? Attends, t'es en train de faire quoi avec les... Il y avait un truc coincé du coup. Là, on va essayer d'allumer le four. Pour la première fois. Ok, vous y êtes? Ouais. Oh, ça fait une étincelle. Ça fait une étincelle. Mais pourquoi? Oh, ça devient rouge. Ouais, là, attends, ça fesse. Ouais. Et du coup, les deux câbles se touchent.
On avait pris des roustes toute la journée sur l'épaule, à cause des fautes de français. Oh. Putain, vous avez bien maîtrisé la technique, hein. Putain, fais chier. Non, 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 c'était bien. C'était ah ouais bien. Ouais, c'était bien. On avait mal aux épaules, on n'en pouvait plus. Oh, c'est en train de prendre de la couleur. Hein. On dirait des vergetures de bouvesse. Oui, parce que... Vous avez essayé de lever votre bras comme ça? C'est un peu drôle. On n'en pouvait plus. Et au dernier moment, alors que la journée était presque terminée... Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-nous ce qui s'est passé. J'aurais plus dû parler. J'aurais dû partir et rentrer chez moi. J'ai tellement plaisir. Finis son tour. Je suis sous pression, c'est impressionnant. Finis saison 8. Faut pas vous rater. Vous êtes prêts? Ouais. Tranquille. C'est à votre nom? Ça va. C'est pour moi. Le premier qui arrive à se mettre sous ce V a gagné. Et il faut que les deux épaules touchent les deux lanières. Païs et Orphée ont conçu, cousu ce magnifique uniforme pour travailler dans notre magnifique atelier. Ça va si je dis que notre atelier est magnifique? Pas trop arrogant? Bah, vu le carton qu'il y a juste derrière toi. Officiellement, on vient de terminer l'uniforme des garçons de l'atelier. Donc, quand les garçons ont vu le tissu, ils voulaient tous un uniforme avec. Donc, j'ai pu en faire qu'un seul pour le moment. Et on dirait bien qu'ils vont devoir s'affronter en duel pour voir qui est-ce qui aura l'honneur de le porter. Le problème, c'est qu'il a été fait aux mesures de Massoud. Donc on va voir qui va remporter cet ensemble, même s'il ne va qu'à Massoud. Mais bon, ça, ils le savent pas. Je vais pas leur enlever l'envie de se battre. On va devoir s'affronter pour savoir qui est le plus fort. Et j'en profiterai pour réaffirmer ma supériorité. D'accord. C'est magnifique. Déjà, c'est pas votre taille. Encore un indice. C'est pas vous le plus fort dans l'atelier. Elle avait tout pris. Très bien. Massoud, t'es plutôt discret. Je me charge. Le pré-workout. Waouh. Vous êtes prêts à vous battre là parce que. Prêt. Parce que monsieur Valenvitz et monsieur Thomas là, ils sont en train de parler stratégie. Ah oui. Très ouais. Bien. Monsieur Thomas, vous pensez quoi du prix? Du prix de la compétition? Ouais. C'est vraiment beau. En fait, ça fait détruire. Très bien. Détruire. Les bretelles sont vraiment gracieuses, c'est impressionnant. Ouais, elles sont magnifiques. Vous avez vu cette pièce de cuir? Elle est virée. Ouais. On dirait un bouclier. Ouais, la forme, elle est incroyable. La forme, on dirait un bouclier. On dirait que la bête qui a eu ça, là, elle court encore. Ok, messieurs, j'espère que vous êtes vraiment prêts. Moi, je suis prêt, en tout cas. À tout donner. Moi, je suis prêt. Moi, je suis prêt à gagner. Eux, ils sont prêts à perdre. Félicitations. Merci. Vous, orgueux, authentique. Je vous ai vu à un seul prototype. Et on est 4. Et vous êtes 4 selon mes calculs. Ouais. Donc il y a un problème. Plutôt 3 problèmes. Enfin, il y a 3 problèmes. T'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Je vais régler ce problème tout de suite. L'un d'entre vous va remporter l'uniforme et il y a un voyage en Dordogne pour les autres. Une encyclopédie en 20 tomes. Et pour le dernier, des nuggets au soja. Oh. Bon, comment ça se passe là? Allez-y, messieurs. Vous auriez pas dû, les gars. Vous auriez jamais dû. J'ai l'impression qu'il y aura un avant et un après. Je pense qu'il y a un pro avant après. Bah, le couteau désigne les deux premiers à combattre. Ok. Ok. T'as fait chier. Valgenvitz Massoud. C'est la seule combinaison qu'il fallait pas faire. Je le voulais, putain. Oh là là. Putain de merde. Désolé, il y a trop d'enjeux.
soit vivée. Il est coriace, monsieur Thomas. Je suis dans 10 minutes. Putain, il y aurait 2 minutes. Le dernier match, Massoud. Vous vous rappelez Massoud quand on était petit ? Contre Missor le tyran. Nous, on veut tous que Massoud gagne parce que Missor tyrannise Massoud depuis l'enfance. On est persuadé que Massoud est resté bloqué dans l'enfance. C'est un rêve de cette tyrannie. Missor, tu vas déclarer forfait ? Non, je vais chiffonner. Le dernier combat. Donc en fait, vous les voulez pas vraiment, peut-être. C'est fini. Tout va bien se passer. C'est pas grave. Il a peut-être gagné un combat. Et moi, je suis assez vide. C'est bien, Massoud. T'as gagné. Si j'avais encore la jeunesse, je vous aurais détruit. J'ai de la chance que j'ai 50 ans. Merci, Paul. Ça fait vraiment plaisir d'avoir. Oh, Missor, je suis désolée. Merci, Paul. C'est bon, vous allez pleurer? Bon, faut que tu le mettes maintenant. Ah oui ? Parce que je pense que je le suis. Je crois qu'on veut tous voir ça. Ouais. Et déshabillez-vous. Ok, quelles sont les étapes suivantes ? On est tellement pas productifs. Non, mais arrêtez. Arrêtez, c'est bon. Arrêtez, mais c'est juste que vous êtes à la distance. Donc là, on y est presque. Ça, ah oui ? Ouais, j'ai l'impression. C'est trop bien, ça va marcher là. Ok, on peut lancer le four. Non, arrêtez. Ouais. Malade ce mec, mais c'est malade. Eh les gars, honnêtement, si on achète des pizzas surgelées et qu'on les met dans ce four, est-ce que c'est pas méga cool? Si, c'est une excellente idée. En vrai, ça passe à 112, on achète des pizzas. Ah bah ça y est, c'est à 112. Les gars, c'est à 112, qu'est-ce que j'avais dit? Massoud, c'est le moment d'acheter des pizzas. C'est le moment d'acheter des pizzas, c'est clair. Monsieur Valkenwitz, vous voulez quoi comme parfum de pizza? Pas dans le four. Si, si, dans le four. Dans ce four? Ouais. Pizza, c'est correct pour tout le monde, les amis. Non, arrêtez! C'est bon, excusez-moi. Arrêtez! Je vais vous empêcher de manger de la pizza. On a 200 en cours. C'est la température idéale pour cuire cette pizza bolognaise. On va la mettre dedans? Ouais, on la met dedans. Alors, on est une fois que les danseurs vont faire. Le plat, il est trop bon. Elle est con, je l'envers. Ouais. On l'a fait. On a croqué. Et je suis sûr que c'est pas bon. Non, non, je suis sûr que c'est bon. Oh non! Ils vont la manger crue! Ils sont en train de manger la pizza surgelée parce qu'ils savent pas comment la mettre dans le four. Arrêtez les gars, c'est pas bien. Arrêtez! C'est pas mal! Faut quand même qu'il en reste un peu pour. On arrête? Ok, j'arrête. C'est trop bon, mais c'est froid, c'est désagréable. Ma gueule, vous êtes sûr que vous n'en voulez pas? Je suis vraiment sûr. Du coup, j'ai pas mon palais de canapé. Ouais, c'est bon. Ok,
c'est bon. Ok, non mais c'est bon là. Vous exagérez. Non mais il ne restera plus. Un dernier croc. Pain. Le pain. Un morceau de pain. S'il vous plaît, Messia. Ah non, mais c'est comme ça. Ça va bien. Non mais attends, vite. Oh. Donc Misar est en train de fabriquer une structure afin de supporter la pizza. Oh, c'est beau ce que vous faites. Je crois qu'il faut qu'on en mange encore un peu parce que là elle va monter. On aura tellement de baleines de roche dans le trou. Waouh! Faut chier. La prendre? Ouais, je pense qu'il faut la prendre. Trop de la. C'est génial. C'est absolument génial. Ah, c'est chaud! Oh, le truc en métal était chaud. Le truc en métal était chaud. Ah, il y a même une vis qui est venue avec. C'est la pizza la plus toxique de France. C'est hyper chaud. Mais vous mangez comme des cochons. Non, c'est normal. Ça, ça veut dire que la température est hyper élevée. Dieu sait qu'on va commencer à manger une pomme. T'es sûr qu'on est allé bouffer, je crois. C'est très bon. Faut le dire, c'est très bon. Et la fonderie pourra attendre. C'est nous qui l'avons cuit, les gars. Donc là, on met le moulin à auréole. J'ai bien l'impression. C'est une étape importante de nos vies, là. Il est temps. Dorénavant, avant, on ne délègue plus rien. On fait tout nous-mêmes. Les auréoles pour prise. Ok, vous êtes prêts? Ouais. C'était chaud. Du coup, là, on a mis le premier moule en plâtre de fonderie dans le four. Bah applaudissez-vous, bordel. Vous avez fabriqué un four. Waouh, c'est incroyable. Ça a l'air bien. Les murs sont rouges. Le mortier est rouge. Le mortier est rouge. Le mortier est devenu rouge. Ah oui. Waouh. C'est incroyable. Tiens, il y a du rouge qui coule sur moi. Est-ce qu'il y a un truc pour me rafraîchir? Ouais, il y a une bouteille d'eau. Là, il y a une grosse bouteille d'eau. Si vous voulez, je vous montre même vite fait. Enfin, c'est bon. Genre là. Waouh, c'est hyper lumineux. En fait, les radiations, elles sont puissantes. Waouh, c'est incroyable. Ok. Ah okay. Merde, mais c'est du plastique, ça. De quoi? Ah, je savais pas que le sol était en plastique. Le sol en plastique? Ouais, c'est du plastique, cette merde. Arrêtez. Arrêtez, je vais vous verser un peu de bronze dessus. Putain, vous êtes des malades. Est-ce que c'est grave si je fais tomber le creuset? Un peu. Sur mon pied. Ah ouais, ma main chauffe. Oh putain. Wow. Ah putain, j'ai brûlé le pied. Oh. C'était beaucoup plus dangereux que ce qu'on m'avait dit. Hey, mais j'ai brûlé le pied. Mais à quel point? Bah c'est pas très fort, mais ça fait peur. Putain, c'est infernal, c'est plus en plastique, là. Putain, c'est fou, ça. C'est un jeu passé beau, je crois. Mais c'est rentré dedans? Bah, c'est à l'intérieur de la chaussure que ça me brûle. Franchement, moi, j'ai plus envie. On arrête la fonderie? On arrête le bronze. Putain, je suis brûlé. Je crois pas. Putain, c'était chaud. Putain, le sol a plus cher. Hey, mais je suis brûlé les pieds. C'est quand même étonnant. Vous avez aimé cette expérience? Bah, à part la douleur que j'ai aux pieds... Ah, je vais déballer ma chaussure. J'étais là, regardez, j'étais là. Il y a un putain de morceau de bronze. Comment il est entré là, cet enfoiré? Il y a un putain de morceau de bronze dans ma chaussette. Il a fait un trou dans ma chaussette, l'enfoiré. Il y a une miette de bronze. Eh, c'est chaud quand même. On voit mon os. C'est mieux, je mets un peu d'eau. Non, mais c'est bon, c'est bon. La fonderie est officiellement ouverte. Le carton est en train de brûler. C'était intense. Par contre, tu t'es brûlé la main, c'est ça? Ouais, j'ai brûlé la main, c'est bizarre. Mais les gants, ils sont pas efficaces? Bah, en fait, il y avait un trou dans le gant. C'est une blague. Non. Je vais devoir faire une croix sur quelques-uns de mes doigts. Il faudrait fabriquer des super gants. Faudrait fabriquer des super gants. Bah, Païs, elle peut les fabriquer. Oui, c'est vrai.
Waouh. Waouh. L'auréole sortie des enfers. C'est pas mal. La première auréole coulée. Faite par vous ? Ouais. Elle est bien ? Elle est bien. Elle est bien. Waouh. C'est génial. Hein ? C'est une blague ? C'est une blague ? Bah, c'est la première auréole coulée, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Donc c'est prometteur ou c'est de la merde ? Je sais pas. La première auréole qu'on a réussi à sortir, moi je l'aimais beaucoup, mais bon, elle était pas bien, elle était pas acceptable. Le chemin qui nous reste à parcourir pour faire des auréoles parfaites va être long et douloureux. Vous savez, dans la vie, des fois il faut commencer tout en bas et continuer tout en bas. ça fait très longtemps. Autrement, on est à la recherche de gens, des gens bien, vaillants, courageux, ponctuels, des gens braves, déterminés, pour nous aider à fabriquer les statues et pour nous aider sur les grands projets à venir. Donc tout a commencé par un rendez-vous qu'on a eu avec un maire pour proposer d'offrir une statue, un buste qu'on aurait sculpté pour l'occasion, à sa commune, pour le mettre sur la place publique. Il était convenu avec lui qu'on fasse une pause en septembre. Donc nous, on était vraiment contents. Et à peine la réunion terminée, l'histoire a commencé à se dire qu'en fait un buste c'était pas assez grand. Mais en fait, un buste c'est trop petit. Il faut qu'on fasse un plein pied de 2 mètres. Donc un corps entier de 2 mètres. On pensait tous que c'est une aberration. Parce que c'est impossible de sculpter un plein pied de 2 mètres, de le faire en bronze en 3-4 mois. C'est impossible. Donc il fallait qu'on essaye de le raisonner. Attendez. Vous dites oui. Vous me dites qu'on va juste faire un buste au lieu d'une grande statue. Non mais faire un grand buste. Non mais attendez, parce que... Un buste au moins 80 cm. Non mais attendez. Ok, on attend. Combien de temps? Déjà, moi je vais vous dire, on va faire un plein pied. C'est tout. Mais les arguments de votre sont bien. Vous n'avez pas soif de grandeur. Vous avez soif d'un chemin bien tranquille. Si vous avez soif de grandeur, vous voulez que tout de suite on fasse une grande statue, tout de suite. Si vous faites céder à ces caprices. On est d'accord que là on pourrait faire une statue de 4 mètres. Oui. Pourquoi on ne fait pas une statue de 4 mètres? Eh ben je vous le demande. Regardez, moi ce que j'essaie de vous dire. Vous voyez? On a juin, juillet, août, septembre. On a 4 mois. Ouais. Et vous vous rendez compte, vous êtes un malade en fait. Pour sculpter la statue, pour sculpter un plein pied, vous aurez besoin de 4 mois. Non. Mais si. Je suis désolé, on est capable de le faire. Je suis désolé. Mais alors là, je suis vraiment désolé. En 4 mois. Mais putain, les gars, de l'audace, bordel. Non, mais fait grand truc. Une fois qu'on aura posé. C'est que vous voulez pas prendre vos couilles et les frapper sur la table. Vous voulez les poser délicatement en dessous de la table. Vous voulez prendre vos coudes et les frapper comme ça sur la table. Si les défis que vous donnez, ils sonnent pas impossibles, ça sert à rien de vivre. Non, ouais, non. Moi, on va le faire. On va faire une grande statue de 2 mètres en bronze et on va le faire en 4 mois. On va le faire, c'est merde. Le possible. Quand on va la faire. Mais moi, vous savez ce que vous me proposez? Non. Vous voulez que je vous dise ce que vous me proposez? Non. Peut-être. Non, mais j'en ai rien à foutre si on peut. Attends, on peut, merde. Il y a des gens qui vont sur Mars. On pourrait avoir été ceux qui ont fait une statue de 2 mètres. On pourrait être eux, mais on sera pas eux. On sera pas eux, on sera des gens qui auront fait un buste. Mais attendez, moi j'ai plus l'âge. Je commence à vieillir. Mais là, on parle dans 4 mois. Je commence à vieillir, moi. Mais vous serez pas vieux dans 4 mois, ça va. Mais c'est pour ça, déjà faire un buste et arriver dans les temps en octobre. Mais oui, en fait, rien que ça, c'est un vrai défi. franchement, j'aime pas cette mentalité où on se force à faire un petit truc. Parce que... Arrêtez. Non, Napoléon. C'est pas ça que je dis. Chaque chose que Napoléon a fait, il s'est dit, je vais faire la chose la plus importante, un peu impressionnante possible. Oui, c'est pas du tout. Depuis qu'il est gamin, c'est pas du tout. Quand il remplissait sa couche, il se disait, je veux choquer ma mère. Non mais franchement, on peut pas être comme ça. Monsieur Thomas, s'il vous plaît, soyez dans l'équipe des ambitieux et des couillus. Écoutez, vos projets sont beaux. Mais oui, c'est beau. Alors ça sert à quoi? Mais bien sûr que ça existe. Mais Thomas, contrairement à eux, nous on a des couilles. Ce que je veux dire, le vrai, il reste quelque chose. On est les meilleurs. Oui. Et voilà. C'est quoi, je vais faire l'explication de faire l'explication en fait. Il a dessiné des couilles. Je le savais.
À votre avis. Non, mais je veux. On est là, on va arriver là. Oui. Et ben vous. Moi, je veux qu'on y aille direct. Si on décide de faire le truc en 4 mois, oui. On va vivre ici. Oui. On va boire du Kong Strong. ça va être le moment le plus intense de nos vies. Ok. Oh là, le Kong Strong. En fait, vous êtes avec nous si on le fait en 4 mois. Vous okay. êtes. Oh putain, wow, on le fait. Mais du coup, juste qu'on soit clair, là, si on part là-dessus, demain matin à l'aube, on va acheter de l'argile. Ouais. Dès que la boutique ouvre, on toque à la porte, on fait 5 minutes plus tôt et on va acheter de l'argile. Mais on est dimanche demain matin. Du coup, on va devoir y aller avec un pied de biche. Bah oui. Bien là, j'aime bien qu'on ait un défi impossible. J'aime bien. Parce que sinon, si on n'a pas des défis qui sont possibles, on est des merdes. Et on stagne dans la vie, putain. Il n'y a qu'une manière de vivre. C'est-à-dire que là, à partir de maintenant, oui. C'est la méga guerre. Oui. Partons sur une grande statue. Partons sur une grande statue dans tous les cas. Là, c'est magique. Ça, c'est magique. Et on n'a jamais fait ça. Donc je pense que je vais devoir rester ici cette nuit.